Baruch Hashem, on va rentrer bientôt, Baruch Hashem, à Rosh Hashanah. Baruch Adonai Melech HaOlam, Shehakol Nehiyeh B'Baruch. Amen. Il y avait une fois, une personne qui n'était pas religieuse, et il est venu voir le Rav, pour Rosh Hashanah. Et Baruch Hashem, ils arrivent, ils font le kiddush sur le vin. Dans la Seouda, il amène un petit peu du vin, du whisky. Birkat Amazon, encore un verre de vin, enfin, la bras du Végazan, on a mis la verre. Le matin, ils vont à la choule, ils reviennent, un petit Lechaim, un petit Kugel. Et Baruch Hashem, après 48 heures, avant qu'il part, on fait Abdallah. Et il dit alors, comment c'était? Comment tu penses au Rosh Hashanah? Comment c'est Rosh Hashanah? Il dit la vérité, j'ai des choses que je n'arrive pas à comprendre. D'allumer la lumière, j'arrive pas à comprendre c'est quoi le problème. Une chose j'ai compris, pourquoi les religieux ne prennent pas la voiture pendant la fête? On boit trop, on peut pas prendre la voiture. Mais non, le Ham Israël, quand on arrive au Shana, on est tous connectés. Ça peut être en Israël, en France, en Amérique. Combien de jours on va faire la fête? 2 jours. Des fois, quand tu es en Israël, ça fait vraiment bizarre. Parce qu'une personne qui est israélien, qui voyage en France, d'après Hara, les Sfaradim, il fait une journée. C'est-à-dire que tout le monde mange la matzah, même pas un grain de chametz pendant Pessah, disons. Et toi, tu vas te promener, tu prends le métro, tu vas te promener, et même si tu veux, tu peux même acheter chez un goy une baguette. C'est fini pour la fête. Et là, un truc qui se passe super spécial. On arrive, Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est fini, on est tous connectés. Rosh Hashanah, on aura 2 jours. Et Kippour, 1 journée. Et d'où on apprend ça? D'où on apprend qu'à Rosh Hashanah, il y a 2 jours. D'où ça arrivait ces 2 jours à Rosh Hashanah? Alors on en met une petite Gemara magnifique, c'est pas la Gemara, c'est dans le Nevin. Quand il y avait une, comme ça il raconte, une Kvutzat Aolim Babel, Aïta Chavoua Zruka Mbebelet. Les gens qui sont montés de Babel, c'est des gens qui n'étaient rien du tout. Pourquoi ils sont montés de Babel? Parce qu'en vérité, ils n'avaient rien de faire en Babel. Et pour ça, ils sont montés en Israël. Et comment la Gemara nous raconte? La Gemara te dit, Mechaneota Beto Asara Yursin. Les 10 Yursin qu'on ne savait pas vraiment d'où ils venaient. Et malheureusement, il y avait beaucoup de mariages mixtes. Et ils sont montés en Israël. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas montés parce que, pour la Gdoucha d'Israël, c'est comme à Babel, ils galéraient. Et bien, on va bouger tout ça en Israël. Et voilà. Le grand jour de Rosh Hashanah, Asfou Ezra Venechemia et Am. Il a emmené tous les Bnei Israël qui sont venus à Yerushalayim. À côté de où? On nous raconte, du Beit HaMikdash. Et là, ils ont sorti les Sefer Torah. Ils ont fait comme une fête de Hakel. Hakel, c'est un renseignement. Ce renseignement en même temps. Et ils ont parlé l'importance de la fête. Et qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Allez à la maison, après ils ont parlé de livrer Torah, ils ont fait la tuya, allez manger des viandes et boire et prenez du vin. C'était le premier jour. Et là, qu'est-ce qui se passe? On raconte. Eux, ils les ont invités pour le deuxième jour aussi. Venez le deuxième jour. Et le deuxième jour, il leur a dit, Nehemia, la même chose. Les livrer Torah, les siffrer Torah, aller manger à la maison, des viandes, des trucs. Et de là, on apprend que même en Israël, il y a 2 jours. Parce que c'était en Israël, l'histoire. C'est-à-dire que le Rosh Hashanah, à peu près il y a 2500 ans, il y a des 2 jours. Et là, chacun se pose la question. Ma Nishtana Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui s'est passé, Rosh Hashanah? Pourquoi, à Rosh Hashanah, on fait 2 jours en Israël et on ne fera pas une journée comme Pessah, comme Sukkot, comme Shemini Atzeret? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors là, on va commencer un petit peu avec la halakha. Pour expliquer ça, il y a la halakha. La halakha dit comme ça. C'est que pourquoi on fait deux jours de Rosh Hashanah ? C'est qu'en vérité, aujourd'hui, on a un calendrier. Mais à l'époque, ils n'avaient pas de calendrier. Comment ils voyaient ? La lune. Mais dans le mot là, quand tu vois la lune, quand elle se finit, elle peut se finir ou le 30 ou le 31. Et là, c'est Rosh Chodesh. Mais on ne sait pas c'est quand Rosh Chodesh. C'est pour ça qu'on a des fois, on a une journée Rosh Chodesh, des fois deux journées. D'accord ? Mais non, qu'est-ce qui se passe ? C'est que toutes les fêtes, ils étaient le 15. Pessah, Sukkot. Mais non, à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp. Ils envoyaient des gens pour raconter à tout le monde c'est quand Rosh Chodesh. Ça prenait entre 10 à 11 jours pour raconter à tout le monde c'était quand Rosh Chodesh. Ça, si tu parles ça en Israël. En dehors d'Israël, ça prenait à peu près une quinzaine de jours, 17 jours pour que les gens entendent c'est quand Rosh Chodesh. D'accord ? Mais non, si le Rosh Chodesh c'est disons dimanche, 15 jours après, ça va être la fête. Si Rosh Chodesh, c'est pas dimanche, ça tombe aussi, c'est dimanche lundi, c'est quand que ça va être mardi, tu vois. Mais non, en Israël, Baruch Hashem, nous on savait en 12 jours quand c'était. Shavuot, c'est le 6, c'est le 6. C'est une question après ça, je ne veux pas. Mais non, ça veut dire que, en général, les fêtes, en Israël, on savait c'est quand la fête exactement. Mais en dehors d'Israël, ils ne savaient pas. Parce que les gens des rabbanim, des bedin, ils venaient seulement le 17, 18, pour pas qu'on fait une erreur, on faisait deux jours de fête. Ça, en vérité, c'est le hesber simple. Mais en vérité, j'ai vu une explication qui est incroyable. Le Rabbi Lovitch emmène une chose qui est pourquoi en vérité il y a deux jours de Rosh Hashanah. Parce qu'il te dit comme ça, quand tu commences l'année, Rosh Hashanah Kippour, faut qu'on est tous ensemble. Toi, Paris, New York, Israël, on doit tous connecter. Si en dehors d'Israël il y a deux jours, nous aussi on fera deux jours. Même si aujourd'hui on a le calendrier. Et on aurait pu faire quoi une journée à Rosh Hashanah en Israël? Et qu'est-ce qu'elle dit par cette semaine? Atem nitzavim ayom kulchem. Vous êtes tous vers Hashem. La parasha de cette semaine. Rochechem, vos têtes. Shiftechem, les shvatim. Ziknechem, les vieux. Veshotrem, les policiers. Kolish Israël, tous les Israël. Et ça, c'est la paracha qui commence notre paracha à nous. Et quand on va voir une chose, c'est que tout le temps, la paracha, elle tombe avant Rosh Hashanah. C'est une paracha qu'on a là tout le temps avant Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'il écrit ? Atem mitzavim ayom, c'est quoi ayom ? C'est le jour qui parle de Rosh Hashanah. Quand on dit ayom, c'est quoi c'est Rosh Hashanah ? D'où on voit ça ? Dans le Eyov. On verra dans le Yom aussi. Vayi ayom veyo bnei Elokim l'itesev al Hashem. Qui sont venus vers Hashem et qui ont parlé là-bas de Rosh Hashanah. Pour ça, dans la parasha de cette semaine, on dit Atem tzavim ayom, ça parle de Rosh Hashanah. Et aussi dans l'Aftara de Rosh Hashanah. Vayi ayom veyizbach et kana v'etan lefanea yishto v'chomena. C'est que on voit dans trois places, quand on dit le mot ayom, c'est quoi? C'est en vérité Rosh Hashanah. Et là, qu'est-ce qu'il dit en vérité? Quand on arrive à Rosh Hashanah, on est tous en même temps. Et pourquoi en vérité on est tous en même temps? Parce qu'en vérité, en petite blague, c'est comme une personne qui va au juge. Il va à un jugement. Et il arrive au Beit Mishpat, comment tu peux dire en français, hein? Tribunal. Au tribunal. Et il vient avec toute sa famille, un petit grand-père, il va avec ses petits-enfants. Ah, le juge dit, mais franchement, celui-là, il est sérieux, celui-là. C'est pas un petit voyou de la rue, hein. Il a une famille, il a une femme, non. Mais c'est qu'en vérité, c'est quand une personne, il a une très grande famille, d'accord, une famille qui est très grande, si tu viens
avec ton nom de prénom, je vais te regarder qui tu es, d'où tu viens, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu as fait. Mais si tu passes avec ton nom de famille, ça va être beaucoup plus facile de passer. Un Boukhatera, il dit voilà, je m'appelle un Boukhatera. Ah, Boukhatera, magnifique, magnifique. Mais s'il se dit voilà, je m'appelle Yitzhak. Ah, d'où tu es, comment tu vas, comment tu crois. C'est-à-dire que dès qu'on passe, quand on arrive avec notre famille, tout passe. C'est-à-dire que quand le Lame Israël, ils vont ensemble, on les passe beaucoup plus, beaucoup plus facile. Il y avait une fois, le Rabbi Menachem Mendel Mivitek. C'était un des grands chassidim en Russie. Après qu'il est le Magen Midrash, c'était l'élève du Baal Shem Tov, il est nifta, il est monté en Israël. Il est arrivé ici en Israël presque à 180 ans. Il a commencé, je pense qu'il était à Tzfat. Et une fois, quand il était en Russie comme ça, il était avec un Farbegen. Et tout d'un coup, il y a une personne qui rentre, malade, et il dit, est-ce que quelqu'un peut me faire une fila? Et là, ils ont compris que vraiment, il avait un vrai problème. Ils ont dit, va demander au tzadik. Et là, il s'est levé, l'admour à Daken. Il dit comme ça, vous avez oublié qu'est-ce qu'on a appris du Baal Shem Tov? Qu'une idva adout, quand on se met ensemble plusieurs de juifs en même temps, et on fait une tefila, ça fait monter jusqu'en haut, jusqu'à les cieux les plus grands. Même les malachim ne peuvent pas dire non. Comme ça, il raconte. Et il dit comme ça le demande à quel. Quant à tous les enfants, quand une personne il va voir son papa, papa, écoute-moi, je viens de l'aide. Je vais acheter un appartement, je viens de l'aide, excuse-moi, et tout ça. Ben, il dit, écoute-moi, tu sais, c'est dur même en ce moment, l'économie et tout. Mais imagine-toi que ce n'est pas l'enfant lui-même qui demande. C'est tous les enfants, ils vont voir le papa. Papa, viens aider Yaakov. C'est différent. La même chose, quand tous les gens, ils se mettent en même temps et ils demandent, on est tous connectés, il n'y a pas plus fort pour Hachem. C'est qu'en vérité, le Ham Israël, on est comme un corps. C'est pas qu'on est en vérité que Ish Echad, Belev Echad, comme une personne et comme un cœur. Chez les Goïm, comment ils disent? Belev Echad, qui Ish Echad. Qu'on est quoi? Comme un cœur qui va vers une personne. C'est qu'en vérité, quand on est tous ensemble, on passe beaucoup plus rapide. Ça me rappelle une histoire que le Rabbi raconte. Il voulait trouver une belle histoire sur l'histoire de Ashkara Pratit. Comment l'âme Israël il est. On est vraiment une famille et on est une chose connectée. Mais il n'avait pas trouvé. Tout à coup, il a reçu un téléphone du Mexique. Un rabat du Mexique. Il dit, voilà, écoute-moi comment ça va. Est-ce que tu peux me rappeler l'histoire du Rav Shlomo Verdiger? Et là, il dit, voilà, moi, je cherchais une histoire, comment de voir que l'âme Israël est tellement connecté. Et des fois, tu fais des choses qu'on peut croire que c'est rien du tout, mais on est comme un puzzle. Et là, une personne de Mexique, un rabbin de Mexique, au bout du monde, m'appelle pour me rappeler l'histoire. Et là, comme ça, c'est que à la fin de, quand il y avait la guerre en Israël, en 2014, avec Gaza, il y avait Tzouketan, il y avait la Gaza. Et dès qu'il y a un problème avec le Tzouketan, le Homme il vient contre Israël. Les Arabes en général, ils ont la majorité. Et en général, ça fait mal quand le Homme est contre nous. Et là, ils ont tout fait pour être contre Israël, et ça n'a pas marché. Ils étaient, je pense, 70 contre Israël, et 71 pour Israël. Et qui a fait tout le balagan? C'est Drum Corée. Le Drum Corée. Ok? Elle a été pour Israël. Et cette personne-là, elle appelle le Shlomo Verdiger. C'est un businessman en Amérique. Il dit, il faut que je te parle. Est-ce que tu as vu toute l'histoire qui s'est passée dans le monde? Tout le monde a parlé de ça, que le Houma voulait être contre Israël et ça n'a pas marché. Pendant trois fois,
j'ai fait pour Israël. Des raisons, parce qu'on voulait pour notre pays, mais une des raisons, c'est que toi, il avait une usine d'habits, une grande compagnie d'habits. Et ma fille, quand elle est venue pour apprendre pour être styliste, elle a fait son stage dans ta compagnie. Comme ça, elle raconte. Et ma fille, elle me racontait, une des choses qu'elle voyait, c'est que chaque personne qui rentrait dans le bureau pour demander à Tzedaka, tu recevais avec un sourire. T'es un businessman, tu vois. Elle dit, ma fille, elle travaille, moi je travaille un peu dans le bureau. Les autres bureaux, même pas, ils rentrent. Et lui, tu rentrais. Et il a remarqué qu'à 1h30, il y avait une rame. Et tout le monde s'arrêtait. Le Shabbat, même pas, on pouvait appeler la personne. Il dit, mais, et à part ça, il fallait voir comment il me respectait, même si je n'étais pas juif. Et respecter tous les ouvriers. Et elle racontait, moi au début, je connaissais les juifs par l'internet, par la télévision. Et quand ma fille m'a raconté ça, ça m'a tout changé, mon vision. C'est-à-dire que ce chemin vers des guerres, quand à New York, avec sa compagnie, il a fait que cette personne-là va être pour Israël. C'est-à-dire que le Ham Israël, il est connecté. Et c'est ça qu'en vérité on convient. On veut qu'en vérité qu'on arrive à Rosh Hashana tous ensemble. Tous connectés. Tous on va être. On est là pour. Et une des choses qu'on va voir dans la tfila de Rosh Hashana, c'est que le Admor HaZaken, il a rajouté comme ça, de dire après la tfila, Shana Tova Metuka. Et là, les gens ils demandent, non mais j'arrive pas à comprendre. Pourquoi on n'a pas rajouté dans le Sido de dire à la fin de la tfila, Shabbat Shalom ou Good Shabbat. Il n'a pas écrit ça. Seulement, quand tu arrives à Rosh Hashana, et oui. Quand une personne, il y va, il sort, et il dit à Shana Tova, il dit, on est tous une famille. Je veux que toi, tu ailles Shana Tova. Et quand tu vas dire à ton ami Shana Tova, Dieu va t'envoyer Shana Tova. C'est ça, en fait, toute la fête de Rosh Hashana. Cette connexion-là, d'être tout ensemble et d'être connecté. Comme on voit en vérité, une des choses qu'on va faire quand on va arriver à Rosh Hashana, c'est la tfila de Mizmor. On va rappeler les Bnei Korach, les enfants de Korach. Mizmor Bnei Korach, que les Bnei Korach. Et chacun se demande la question, comment c'est possible qu'on va arriver à Rosh Hashana, l'endroit qui est le plus kadosh, et on va se rappeler l'histoire des Bnei Korach qu'ils ont fait tellement grand avérot. On sait que les enfants de Korach, ils sont au Guéhinnom et ils font des chants. Même dans Télim, on rappelle le Bnei Korach. Qu'est-ce pourquoi? Parce qu'en vérité, quand on va arriver à Rosh Hashana, on va tous se réveiller. Et pourquoi les enfants de Bnei Korach, ils ont mérité d'avoir dans le Guéhinnom, mais un Guéhinnom VIP? Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand les Bnei Korach étaient contre Moshe Rabbeinu, avec les Korach et tout, quand ils sont tombés dans la terre, ils ont eu un gros gré. Et qu'est-ce qu'ils chantent? Moshe Emet, Vetora Torah Emet. Ça veut dire que quand on arrive à Rosh Hashana, la vraie base qui doit être, je veux changer. La vouloir de changer, déjà tu es dans la bonne voie. Et pour ça, on appelle les Bnei Korach, parce qu'ils nous ont appris le système qu'une personne, pour faire un changement, c'est la volonté. Et quand on aura une grande volonté, Bezrat Hashem, on pourra aller et prendre les choses et les changer. Bezrat Hashem, on arrive Bezrat Hashem, bientôt à Rosh Hashana. De savoir une chose, il n'y a pas plus fort que le connexion est ensemble. Quand on passe ensemble, tout passe, on est VIP. Quand l'âme Israël y passe, tu sais, je me rappelle, j'étais une fois dans un concert. Alors au début, il y avait des gens qui passaient au début. Ils sont du tôt. Et il vérifiait les tickets vraiment, tout la Zéout, ton nom, et chaque chose. Et tout d'un coup, il y a eu une vague d'au moins, il y avait 300-400 personnes qui faisaient la queue. Il a commencé la queue à passer plus vite. Allez, t'as le ticket. Même gens qui disaient que j'avais le ticket, presque il va y avoir. On te dit la même chose. Quand l'âme Israël va arriver avec New York, Paris, Miami, on est tous au même jour. Il n'y a pas de différence entre le premier jour, Rosh Hashana, on est tous. On va beaucoup plus se passer. Et la connexion ensemble, la connexion commence à la maison avec la femme et les enfants. Et Bezrat Hashem, on aura une année de folie et beaucoup d'Atzlacha. Le shiur, c'est l'Enu Ishmag, Mbapa, Menachem Mendel, Mordechai, Ben Yehuda Pilero. Amen.
Chazak. Voilà, bon.